Fait que voyez-vous le rôle du perfectionniste que j'ai eu moi-même ce matin? J'étais capable de gérer par moi-même, devenir mon propre parent. Changer, là. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Je veux changer, je veux du changement. Attention, parce que j'ai eu des réponses, moi. Puis peut-être que si je t'ai dit, ça va faire mal. Oui, c'est quoi? Pas c'est quoi? T'es-tu prêt à perdre du monde dans ta vie? Lève la main. Pas sûr. T'es-tu prêt à peut-être mal dormir dans des soirées, dans des nuits, parce que tu seras peut-être pas en bon contact parce que tu as vécu de quoi avec quelqu'un? T'es-tu prêt à vivre ta peur? T'es-tu prêt à vivre tes émotions que tu refoules depuis des années? T'es-tu vraiment prêt à vouloir ressentir ce que tu vis depuis X années que tu n'as jamais dit à personne? T'es-tu prêt à vivre de l'inconfort? Des fois, ils disent, c'est tout d'une shot, ça, là. Je lui dis non, là. Le changement va s'installer quand la souffrance, il y en a assez. C'est pas plus, pas moins, c'est comme ça. Ça voudrait s'en sortir, ça serait d'aller vivre son émotion, puis là, elle va connaître son besoin. C'est tout. Dès qu'elle va connaître son émotion, le mécanisme de défense va s'estomper, le comportement difficile va s'estomper, puis dès que l'émotion est vécue, bien là, il va se présenter des solutions. Un enfant aurait dû être regardé par ses parents pour ce qui s'est produit, souvent c'est non. Fait que notre propre valeur, là, on la donne des mains de l'autre, à l'enfance. Quand tu vois qu'il vient d'une famille dysfonctionnelle, OK? Tout ce qui se propage dans la famille, il en devient la cause. Fait que c'est quoi qui se développe? C'est la honte. Je vois des gens qui libèrent des masques parce qu'ils se libèrent de leurs émotions. Ils se libèrent de leurs fausses croyances. Ils se libèrent de ce qu'ils ont vécu. Tout ce qu'on fait quand on grandit, puis souvent dans les relations, on répète ce qu'on a vu, hein? On répète ce qu'on a entendu, puis on répète ce qu'on a cru. Je viens de comprendre, je viens de réaliser quelque chose. Moi, je viens de réaliser vraiment que quand je rentre là, je me sens comme ça. Je viens de comprendre. Il n'y a rien de craindre. La conscience, là, c'est pas un moyen de guérison, là. C'est, tu sais quoi le vrai moyen de guérison? C'est l'action. J'ai tout lu. C'est la dépendance affective. Comment se pardonner? Comment pouvoir aimer quelqu'un? Comment être en relation amoureuse? Comment libérer des émotions? Moi, je suis pas sûr que ça a bien été. Si tu as oublié ton enfance, il y a quoi quelque part qui colle pas, là. Si tu as oublié ça facilement de même, là, il peut y avoir eu de quoi que tu aies un traumatisme. Je te le dis, j'appelle les polices si tu sors pas. Moi, même un chien, vous sortirez avec moi, il me poussait. Moi, je capotais, là. Imagine-toi, elle, son réveil embarqué, son masque, c'est quoi, sa fuite, hein? On part, on veut pas faire face à la réalité. Imagine-toi, moi, je suis arrêté dans l'abandon, la mère du dépendant, je partais après. Là, le réveil, il aurait parti sur le bord. Là, l'abandon court après, puis le réveil court. C'est comme ça. Quand on est dans notre rôle, là, on blesse les autres, on fait chier les autres. Retenez ça, on fait chier les autres. Pour savoir que vous êtes dans votre rôle, là, retenez bien ça. C'est quand vous allez contre vos valeurs, puis contre vos principes. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas dans vos valeurs et dans vos principes, vous embarquez dans vos rôles. Autre chose, quand tu te justifies, là, tu es dans tes rôles aussi. Autre chose, les pères, on l'a dit, quand tu ne te respectes pas, et tu ne respectes pas tes besoins ni tes limites, t'embarques dans tes rôles. Quand tu te sens coupable, tu vas embarquer dans tes rôles. On me disait, comment trouver son enfant intérieur? Et on m'a dit, tu tentes d'ailleurs et tu assises une roche. OK, on s'assise une roche, on va trouver. Oui, tu tentes d'ailleurs et tu vas le trouver. Mais j'ai appris à l'écouter. J'ai appris à l'écouter et arrêter de le questionner. C'est le même que j'ai trouvé mon enfant en moi. Ce qui va se présenter dans les rôles, c'est que vous vous perdez. C'est, ça va-tu bien ou ça va pas bien? Mais non, c'est quoi cette affaire-là? Ça va bien 40% à 30%? T'es habitué peut-être 15% à peu près. Mon ami chez nous, t'as des chats, des chiens, des canards, des oiseaux, t'as l'air, ils ont tout.
Puis après ça, elle se plaint. Il y a de la merde. Mais gris, je n'attendais pas d'avoir rien. Même pas compte de ce qu'on dit, de ce qu'on se plaint, de ce qu'on fait, de ce qu'on se dit, de ce qu'on est. La conscience, allô, les fils se touffent. Hey, allô, il faut que ça soit connecté quelque part, ça. Mais pas juste conscient de le mettre en action. Ouais, moi ouais, j'ai un flat. Ouais, ouais. Oui, c'est un flat, ça. Ouais, un flat. Trouvez-vous les besoins que vous comblez derrière vos rôles et vos rôles vont diminuer. Mais c'est ça le but de la connaissance de la conférence. C'est de prendre conscience de nos rôles, de la façon d'agir. Hey, les peurs qu'on cache. Hein? On cache de quoi, je pense, peur de déplaire, pas être à la hauteur. Qui savent comment ça va mal chez nous. Mais c'est ça tes plans. T'en vas sur le coiffeur et qu'il coupe les oreilles comme ça. On est fourni et on n'est pas vrai. Après ça, on se pose des questions, pourquoi on rencontre les mauvaises personnes. Mais regarde, tu ne présentes même pas qui tu es. Puis tu n'attireras pas les personnes que tu as besoin dans ta vie. Là. Hein? Tu attires ce que tu dégages, ce que tu dis, ce que tu vis. Les gens, là, ils vivent une histoire, un drame qu'ils ont vécu. Moi, j'ai été abusé. Ouais, puis là, mon chien m'a laissé, m'a trompé quatre fois. T'as laissé aller. Puis là, continue. Puis là, elle continue. Là, tu parles avec. Ouais, OK. Puis ton enfance, t'as vécu comment? Mon père était alcoolique, il m'a battu. Puis ma mère m'a été ramée là pour faire tout le monde. Ceux qui servent, ça va toujours bien. Ça va toujours bien, là. Hey, je me dis, une affaire, là, il y en a plein de ça. Puis, comment ça va, ta mère est morte? Ouais, ça va, ben ouais, moi, t'es rendu vieille. C'est pas facile. Ouais, OK. Y a-tu quelque chose? Non, je me sens. Il n'y a jamais d'émotion. Il n'y a rien, tout va bien. Regarde-toi comme il faut, comme personne. T'es une personne unique. T'es pleine de belles valeurs. T'es pleine de talent. T'es pleine de belles qualités. De plein de belles compétences. Oublie pas qu'il y a du monde qui t'aime sur la terre. Va vers ce monde-là. Arrête de t'entourer du monde qui voit toujours ton passé, ta souffrance, puis ce que tu as fait de mal. Je vais t'en donner des résultats à voir. Quand tu vas laisser tomber tes masques, tu vas être capable de mettre tes limites. Tu vas être capable de vivre tes émotions. Tu vas être capable de te choisir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Demande